toutes et à tous, c'est Tom, dans mon cas plutôt bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la partie 3 du Rubik's Cube du Megaminx. Sachant que les 3 parties, faut savoir que j'ai tourné non-stop en mode base tech 3 à suite. Merde. Et donc commençons. Dans la dernière partie, je vous avais laissé sur ça. Où je vous avais tout fait, il ne vous reste plus que ça. Pour le terminer, on va commencer maintenant. Alors, vous aurez besoin déjà de la technique, si vous ne connaissez pas, vous aurez besoin de la technique de la chaise. De la chaise, c'est ça. Tac. Alors, un mec se lève de sa chaise, il part très loin. La chaise tombe, le mec revient, la chaise se relève, il se rassoit sur la chaise. Non, il s'approche de la chaise et il s'assoit. C'est ça la technique de la chaise. Donc, tac, le mec se lève, il part très loin, la chaise tombe, il revient, la chaise se relève, il s'approche de la chaise, il s'assoit. La technique des amis, c'est tac, je monte, je descends, je tourne, je descends. Vous avez peut-être pas dû trop comprendre, mais bon. Moi, ma technique, c'est que soit si vous avez une ligne, un A ou une tour Eiffel ou une flèche, vous le mettez comme ça. Non, comme ça. Vous faites la technique du berger. Je pense que ça s'appelle comme ça. Vous montez. Vous faites tac, 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 tac. Et vous redescendez. Et là, vous avez un seul de bon. Qu'une seule arête. Vous la mettez comme vous voulez, peu importe. Qu'une seule arête. Alors, vous le mettez comme ça, il me semble. L'arête bonne vers la gauche. Vous faites la même chose, vous montez ça, vous tournez de... Non, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, excusez-moi, j'ai fait un petit peu la merde. Voilà. Vous mettez comme ça, vous montez. Vous tournez d'un, tac, tac, et vous tournez. Là, vous en aurez plus que 3 de bons et 1 mauvais. 2 mauvais. Pour le faire, vous prenez comme ça. Vous prenez celui de gauche, vous montez. Et là, vous faites pas ça, 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 mais ça, ça, ça. Et vous rabaissez. Ce qui est totalement faux. Non, vous rabaissez ça et vous montez. Alors, tac, 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 tac. Excusez-moi, je vous remets dans le... Ne prenez pas en compte ce que je fais. Voilà, vous êtes comme ça. Vous mettez deux face vers vous. Vous montez celui-ci. Vous tournez celui-ci. Vous remontez. Vous tournez. Vous descendez. Et vous descendez celui-là. Et votre étoile est faite. Donc, obligatoirement, tout le temps, vous en aurez au moins un de bon. Et tous les autres, faut par exemple regarder. Je regarde avec le bleu. Je tourne. Le vert aussi est bon. Si je regarde avec le marron, le orange, je tourne. Je vois que le jaune correspond aussi. Si je regarde avec le vert, je tourne. Je vois que le bleu correspond. Et c'était avec le rose. Je regarde. Je vois que aucune des autres couleurs ne correspond. Alors, dans tout, à chaque fois, vous en aurez au moins un seul de bon. Un seul qui sera bien placé, les autres pas. Dans ce cas-là, vous faites ça. Vous montez, vous tournez de deux. En fait, c'est la technique de la chaise. Le mec se lève, il se barre loin, la chaise tombe, il se rapproche de la chaise. Non, il se rapproche, la chaise se relève, il s'approche de la chaise et il s'assoit. Donc, si vous faites ça et que ici... Attendez, je vais essayer de retrouver si je mets vers là. Voilà. Si vous êtes dans un cas comme ça, vous faites ça, vous faites la technique de la chaise. Tac,
Excusez-moi. Le mec se lève, il se barre loin, la chaise tombe, il se rapproche, la chaise se relève, il s'assoit. Dans ce cas-là, celui-là est bon, celui-là est toujours pas bon. Donc vous le tournez, de ce côté-là et vous faites coïncider la couleur qui correspond. Ensuite, vous refaites la technique. Tac. La technique de la chaise. Donc ensuite, vous verrez que celui-là et celui-là sont bons. Vous prenez celui-là et vous tournez comme ça. Et là, il sera forcément bon. Donc soit vous faites directement la technique de la chaise. Et soit vous faites directement la technique de la chaise et votre truc, il est bon directement. Soit vous avez directement ça, vous le faites directement, il est bon. Ensuite, vous le faites, il est bon. Ok, soit vous commencez la première fois et ça vous le met bon. C'est ok, soit ça vous le fait pas. Donc vous tournez, vous faites coïncider la couleur juste à côté et vous continuez. Là, ça correspond. Ensuite, reste plus qu'à bien placer tous les coins. Tous les coins. Donc vous voyez par exemple que celui-là est bon. Parce que si vous le tournez, il est bon. Comme celui-là. Alors vous allez prendre comme ça. Vous allez faire la technique de la chaise. Tac. Vous descendez. Vous retournez pour mettre. Ah merde, excusez-moi, je me suis complètement planqué. Si je fais là. Non, moi je recommence. Ah non, c'est bon. Bon, vous prenez celui qui est bon, là. Vous prenez celui-là. Vous faites la technique des amis. Vous montez, vous tournez. Vous prenez pas. Alors. Donc vous montez, vous tournez. Ensuite, vous le refaites pas ici. Pas sur le même. Vous prenez vraiment l'autre. Vous le faites là, vous descendez, vous tournez, vous le mettez. Je rapproche un petit peu, vous tournez, tout est bon. Donc donc aucun n'est bon. Donc vous refaites la technique des amis. La technique des amis. Pourquoi je chante ça? Je sais pas pourquoi. Donc il y en a toujours aucun qui est bon. Donc vous continuez. Tac. Tac. Et tac. Tac. Celui-là est bon. Comme celui-là. Donc ces deux-là, vous allez faire en sorte de ne pas les gâcher. Donc vous allez faire celui-là, vous allez le mettre. Non. Donc voilà, ces deux-là. Si vous en avez deux bons côte à côte, en faisant toutes les techniques, la technique des amis comme ça, vous prenez les deux, vous les mettez face à vous. Si moi la couleur du haut c'est gris, si les deux gris regardent vers l'extérieur, vous allez faire la technique que je vais vous dire. Mais si vous faites si les deux sont vers l'intérieur, vous ferez la technique une seule fois. Donc je vous montrer. Alors là, il regarde vers l'extérieur. Donc ça, vous le mettez à votre droite. Vous faites la technique de la chaise une fois. Tac. Une fois là. Ensuite, vous la refaites pas ici, mais ici. Donc vous prenez, tac. Donc, le mec se lève de la chaise, il se barre loin, la chaise tombe, il revient par là, la chaise se relève, il vient, et voilà. Et là, les deux vont être tournés d'un. Et ils vont se mettre comme ça. Et donc, vous allez refaire encore une fois. Alors, le mec se lève, il se barre loin, la chaise tombe, il revient, la chaise se relève, il revient vers la chaise. Soit vous faites la même chose ici. Le mec se lève de la chaise, il se barre, la chaise tombe, il se rapproche de la chaise se relève, il vient là et il s'assoit. Et là, ces deux-là seront bons. Il ne vous en manquera plus que trois. Et donc pour bien les placer, vous allez devoir faire la technique de la chaise. Non, pas la technique de la chaise, excusez-moi, la technique des amis. Vous allez prendre les deux bons comme ça. Pas comme ça, ni comme ça, comme ça. Vous allez faire ça. Tac. Tac. Vous descendez. Vous tournez. Vous l'en mettez là. Vous tournez. Là, voilà. Donc là, soit
celui-là qui était mauvais, il est toujours mauvais, vous refaites encore une seule fois la technique, ou deux fois ou plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il se mette bien, jusqu'à un autre se mette bien, jusqu'à ce qu'il vous en reste plus que deux. Moi non, quand il m'en reste plus que deux. Ce qui est plutôt cool, et vous allez faire pareil que quand vous vouliez mettre les deux premiers ici. Donc là, il regarde vers l'extérieur, donc je fais deux fois HS, je monte, je tourne, je descends, comme ça. Alors je vais plutôt faire doucement pour celui-ci. Oh merde. J'ai fait de la merde, je me suis planté, bon bah excusez-moi, je vais devoir tout refaire. Tellement fort, je suis tellement fort, je suis tellement fort, je suis tellement fort. Bon, on va voir ici, ça va pas. Donc, je regarde plutôt avec le vert qui correspond. Je regarde avec le jaune, ça correspond là. Qu'avec le bleu. Le bleu, ça correspond avec aucun. Donc là, je le fais. Ça correspond pas, je tourne. Je fais. Alors, excusez-moi, je suis complètement planté. Aucun est bon, je fais la technique des amis. Je tourne celui-là, il est bon. Aucun d'autre, je fais la technique des amis. Celui-là, il est bon. Donc je fais la technique de HS pour le mettre droit. Ah oui, donc voilà un autre cas, heureusement que je me suis planté. Alors un autre cas. Quand par exemple vous êtes comme ça, vous en avez un de bon d'un côté et un mauvais d'un autre côté. Imaginez que ici c'est un comme ça, un qui est mal mis. Un qui est mal mis. Donc vous prenez celui-là, vous le mettez sur la droite. Imaginez que celui-là aussi il est mal tourné. Tourné exactement pareil comme au début où ils étaient tournés des deux sur le côté. Donc là c'est exactement pareil. Vous faites la technique de la chaise, comme ça celui-là va se mettre bien. Celui-là va rester pareil, comme ça il va se tourner et vous allez pouvoir le remettre bien. Et ça va faire, et ça va mettre les doigts ensemble. Vous faites la technique de la chaise. Alors, le mec se lève. Alors, je vais plutôt le faire doucement. Alors, tac. Tac, une première fois. Une deuxième fois. Voilà. Même pas. Mais what? Putain! Non mais sérieux là! Oh putain! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas là? C'est bon, celui-là, il a la technique des amis. Je tourne, celui-là, il est bon, celui-là. Non, celui-là, il est bon. Celui-là est bon, vous faites la technique, ses doigts, ils sont bons, ils regardent vers l'extérieur, vous faites la technique de la... Oh putain, vous faites la technique de la chaise. Une première fois, comme... Voilà, une première fois, une deuxième fois. Là. Comme ça, ils sont bons. Voilà. Donc ensuite, vous mettez les deux bons sur le côté. Alors, excusez-moi pour les au moins 10 minutes que je vous ai fait perdre. Mettez les deux bons sur le côté. Vous faites la technique des amis. Vous montez, vous tournez. Prenez là, tournez, vous tournez, vous retournez. Voilà. Donc là, aucun n'est bon toujours. Donc vous continuez la technique des amis. Tournez là. Voilà un cas. Non. Si je fais comme ça, oui, voilà un cas. Donc là, un cas où ils regardent tous vers l'extérieur. Il regarde vers l'extérieur, extérieur, extérieur. Les deux premiers, vous les laissez comme ça. Moi, je prends ces deux-là. Vous faites la technique de HS, comme ça, celui-là va se tourner, va se mettre bon. Celui-là va se
tournés d'un vers l'intérieur, donc qui va être là, donc ils vont être inversés tous les deux et vont être bien mis. Donc je fais la technique chaise, je monte, je tourne de 2. Excuse-moi. Vous faites la technique de la chaise, vous tournez, vous reprenez. Voilà. Donc celui-là c'est bien mis. Vous avez plus que ces deux-là. Après avoir fait. Bref, après avoir fait ces deux-là, vous faites la technique de la chaise, la double chaise des deux côtés. Donc la première fois, le mec se lève de la chaise, il s'en va loin, la chaise tombe, il se rapproche, il se remet sur la chaise. Pareil, pas ici, mais ici. Vous continuez. Voilà. Ensuite, ils sont là vers l'intérieur. Vous retournez d'un. Ah, on est d'un. Voilà. Pareil, ici et là. Tac. Et là, votre méga mix, si vous en avez un, est terminé. Et donc, j'espère que ce petit tuto. Démonstration, résolution de Rubik's Cube vous aura convenu. Moi je vous dis salut tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo et bye tout le monde.